Pour l'intro, je vais placer un si, c'est un barré à la septième case. Je barre toutes les cases avec mon index. Et je vais mettre annulaire case 9, corde de la, petit doigt case 9, corde de ré, et majeur case 8, corde de sol. Ensuite, pour la rythmique, on va alterner des notes jouées et bloquées. Pour avoir le son bloqué, il faut que je relâche la pression et que je sois à peine en contact avec les cordes pour avoir ce son-là. Si j'appuie un tout petit peu, on va entendre des notes. Donc en fait, je suis vraiment à peine posé sur les cordes et je dois avoir ce son-là. Et je vais faire la chose suivante. 1, 2, 3. Bas, haut, je bloque, bas, je bloque. Ensuite, je vais faire l'inverse, c'est-à-dire que je vais faire haut, je joue, puis bas, je bloque et haut, je bloque. Haut, je joue, bas, bloqué, haut, bloqué. Rejoins depuis le début. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Encore une fois. Ensuite, je vais rejouer l'accord vers le bas, puis bloquer sur le haut, le bas et le haut. Ce qui nous donne 3, 4, 1, 2. Bas, haut, bas, haut. Rejoins depuis le début. 1, 2. Encore une fois. Bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Pour conclure cette rythmique, je vais faire deux coups vers le bas. Et à chaque fois que je joue, j'appuie et je relâche immédiatement. Pour pas que l'accord résonne. Ce qui nous donne. Et à la fin, pour conclure, je vais faire un coup vers le bas et un coup vers le haut en bloqué. Jouons la rythmique en entière. Bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, 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 haut. Encore une fois, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, 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 haut. Pour la mesure 2, je vais faire exactement la même chose. Enchaînons les deux mesures. Pour les deux premières mesures du couplet, je vais faire exactement pareil que pour l'intro. Je place mon si et je vais faire la rythmique sur la mesure 1 et sur la mesure 2, à savoir bas, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, 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 haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, 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 haut. Ensuite, pour la mesure 3, je vais placer mon mi. C'est un barré septième case qui part de la corde de la. Et ensuite, je peux faire un barré soit avec l'annulaire en case 9, sur les cordes de ré, sol et si. La corde de mi aigu est étouffée. Ou sinon, vous pouvez mettre le majeur, case 9, corde de ré, l'annulaire, case 9, corde de sol, et le petit doigt. Case 9, corde de si, comme ceci. Et je fais le bas. Et ensuite, je vais faire exactement la même rythmique que sur le si, à savoir bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, 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 haut.
Ensuite, la mesure 4, je refais la rythmique sur le si. Enchaînons les 4 mesures du couplet. Pour le refrain, je vais placer mon mi et je fais la même rythmique que pour l'intro et le couplet, à savoir. Ensuite, je place le si pour la mesure 2 et je fais encore la même rythmique. Enchaînons les 2 premières mesures. Pour la mesure 3, je vais faire la même chose que pour la mesure 1. Et pour la mesure 4, je fais la même chose que sur la mesure 2. Jouons les 4 premières mesures. Ensuite, pour la mesure 5, je replace mon mi et je fais encore la même rythmique. Et pour la mesure 6, je vais placer le si et je vais faire la rythmique suivante. Bas, haut, bas, haut, bas, haut. Bas, haut, bas, haut, bas, haut. Donc c'est la même chose que d'habitude, sauf que là, au lieu de continuer sur l'accord de si, je vais passer sur le sol dièse mineur, qui est un barré en quatrième case, avec annulaire en sixième case de la corde de la, et petit doigt en sixième case de la corde de ré. Jouons la mesure depuis le début. Bas, haut, bas, haut, bas, haut. Encore une fois, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas. Ensuite, je continue la rythmique. Haut, bas, haut, bas, 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 haut. Rejoins la mesure 6 en entier. Bas, haut, bas, haut, bas. Ensuite, pour la mesure 7, je place le do dièse mineur. Donc je fais un barré avec l'index en quatrième case en partant de la corde de la. Puis je mets annulaire, case 6, corde de ré, petit doigt, case 6, corde de sol, et majeur, case 5, corde de si. Avec l'index, je peux toucher la corde de mi grave pour l'étouffer. Et je vais faire la même rythmique que d'habitude. Bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, 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 haut. Ensuite, pour la mesure 8, je vais placer mon fa dièse. Donc, c'est la même chose que le si, mais à la deuxième case. Donc, index, barre la deuxième case, puis annulaire. Case 4, corde de la, petit doigt, case 4, corde de ré, et majeur, case 3, corde de sol. Et pour la rythmique, je vais faire bas, haut, bas bloqué, puis haut, bas, haut bloqué, et enfin bas, qui ne résonnera pas.
Ce qui nous donne bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas. Jouons les mesures 5 à 8. Bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, 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 haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, 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 haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, 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 haut, bas, haut, bas, haut, bas. Ensuite, pour conclure le refrain, on va jouer 4 mesures en si. Donc je place mon si et je fais la même rythmique sur les mesures 9, 10 et 11. Pour la 12e mesure, je vais faire une variante rythmique où je vais faire bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas. Et après les deux derniers temps silencieux. C'est la même rythmique que pour la mesure 8. Bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas. Jouons le refrain en entier, le mi, si, mineur, Do dièse mineur et Fa dièse. Si. Et si encore.